Et bonjour à tous, donc on se retrouve épisode 4. Alors juste avant de continuer, juste quelques petits détails. Oula. Bah attendez, je crois que j'ai un peu trop poussé. Comment? Alors, j'ai vu. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de monter réellement les trois premiers épisodes, enfin de les monter, de les assembler, mais j'ai un premier rendu et je me suis rendu compte donc que le jeu était sombre. Donc j'ai poussé le gamma à 2, mais apparemment c'est trop. Il était à 1,5 au départ. Cliquer. Retour. Non, pas charger le point de contrôle. Non, c'est pas mieux. Ok, j'ai l'impression que le brouillard s'est vraiment intensifié autour de moi. Donc, non, on va garder l'option graphique. Hop. Donc je les pousse. À 2,5 quand même, mais à 2. On va voir, le jeu va peut-être paraître moins sombre chez Frappe, mais j'ai l'impression que Frappe c'est de la merde. Clairement, hein. C'est pas de ma faute parce que moi, le jeu tourne en ultra, je le vois en ultra. Par contre, sur les rendus que j'ai vus de vidéos, ça pique. Clairement, je sais pas ce que me fait Frappe, mais je suis pas content. Je suis pas satisfait du rendu. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que clairement, le jeu est beau. Clairement, le jeu, je le surkiffe. Mais non. Il y a un truc qui cloche. Alors, ce qu'on va faire. Alors, j'aurais dû faire ça près du feu, mais... On va se diriger vers la maison Roy. Roi, Roy, je sais pas comment on prononce. Si on prononce à la française ou à l'anglaise, c'est quoi ça? C'est une bûche. Ok, très bien, c'est une bûche. Je l'ai pris ce truc. Ouais. J'ai vraiment l'impression que le brouillard s'est intensifié depuis ma dernière partie. Ah. Mais bon, tu peux pas passer par-dessus. Ok, très bien. On va faire le tour. Quoi, cette arnaque? Je sais même pas où je suis. Ok. Bon, on va se mettre là. Ok, je suis de retour ici. Je m'achauffe un peu, j'améliore mon expérience. Alors, attendez, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible, le brouillard il a changé. Option. Ah, c'est peut-être ça qui est... Flou de mouvement. Si je change le flou de mouvement. Rien. Rassurez-vous, j'y vois pas plus que vous. Hein. C'est dommage. Pour un jeu avec cette qualité graphique, c'est vraiment dommage. Bon, quoi qu'en soit, vous voyez cette fourche que là je pointe avec ma flèche. Ok. On va essayer. Hop, alors, c'est dans document. Carte au trésor. Donc, pas la 7. Ok. Mais la 9 qu'on a trouvé. Donc le rond, à mon avis, symbolise le camp. Et la croix, là où on va trouver soit la prochaine carte, soit le fameux trésor. Enfin, le fameux trésor. À mon avis, là où se trouve la clé. Alors, on est toujours à la recherche de cette fameuse clé. Donc. Alors, ça c'est idiot. Je ne peux pas utiliser la carte au trésor en question. Il me propose de lire, mais
Quand j'appuie sur R, rien ne s'affiche. Bon. Donc l'idée, c'est par là. Ici j'ai des rochers. Ok, j'ai un chargement. À mon avis, j'ai passé la zone. Ok, alors. Alors là, je suis dans le blanc, je vois que dalle. Il y a un truc là. Je vois un loup au loin. Donc on va éviter de s'en approcher. Là-bas, j'ai un loup. Là, j'ai la maison Roy. Là, là, il y a quelque chose. Ok, encore une carte. Donc ça indique la route, près de la route. Alors, c'est assez simple à se repérer. En fait, il y a toujours ces espèces de deux branches qui se croisent. Et j'en allume. Donc on va allonger ça. Regarde rapidement le loup que j'ai vu. Ok, c'est bon, il est plus là. Ok, on a un lac gelé là. Je vais juste me réchauffer. Encore un loup là-bas. J'ai jamais vu ça. Ok. J'ai un marteau. Donc j'avais plusieurs aimants possibles apparemment dans le jeu hein, pour trouver les munitions. Encore de l'allume-feu. Non, ça va les conseiller d'utiliser la lampe. C'est vrai, j'y pensais plus. Ok, j'ai des polaroïdes. Là où j'ai une échelle, mais je peux pas la prendre. Là, j'ai encore un miroir cassé. On verra pas le reflet de notre personnage durant tout le jeu, hein, de ce fameux car là. Ah, non, c'est les tiroirs. Ok. Ah, alors ça me plaît pas. Ok. Campement non loin. Ouais bah ok. Ok. Donc il faut que je parte par là. Seulement j'ai des loups là-bas. Je vais essayer de m'approcher de ce truc-là.
bon du tout. Bon. Je vais m'approcher. Ouais, je suis à la maison Roy là, donc je vais la... Je fonce. J'y vais. Verrouillé, mais j'y suis rentré Ok. Wow, alors pourquoi cette porte est verrouillée? Elle est verrouillée que quand j'essaie de l'ouvrir de l'intérieur, de l'extérieur. Ok, c'est très bizarre. Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Roland Barthes. Des livres bien compliqués dans cette petite bibliothèque. Karl se demanda s'il n'avait pas affaire à des intellectuels. Alors, on va refouiller une fois, mais je pense que j'ai tout pris ici. Hein. Mais j'avais pas vu les livres, en effet. Alors, oh non, j'ai pas tout vu. Hein. Les pois biscuits sont toujours rangés trop haut. Bah oui, pour les enfants, je suppose, mais il n'y a pas d'enfants ici. Ah si, 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 il y avait des enfants. Parce que le fameux... Enfin, si on en croit le récit, le fameux Mathieu, là, notre assassin, là, il a eu... Non, oui, j'allume. Il a eu des enfants avec la... je crois que c'est Bérénice. C'est ça le nom de la fille? Je sais plus. En effet, c'est vrai que bon, ces lettres, tout ça, et j'ai une bouteille à remplir. Non, j'en ai plus. Bon. Alors, j'ai repéré également, tapant i, que mon attaque des loups avait quand même été pris en compte quand j'avais pris le point de sauvegarde. Donc je suis pas à fond en vie. Il faudra se méfier de cela. Attendez, je crois que j'ai compris. Non, parce que je voulais option graphique. Putain, c'est ça. Alors, je voulais augmenter à la base. Quoique j'ai un doute. Alors, apparemment, l'augmentation des gammas, c'est un filtre. C'est un filtre, et c'est ça, à mon avis, qui a bousillé les trois premières, les trois premiers épisodes. Alors, on doit jouer en gamma 1. Le... En fait, ils ont géré les gammas, non pas sur les textures du jeu, mais par un filtre devant la caméra du personnage. C'est dommage, parce que techniquement, le jeu, pour le moment, m'a surpris, mais ça, ça s'appelle du bricolage. Ça, ça s'appelle clairement du bricolage, les mecs. Non, le gamma, tu l'appliques sur les textures du jeu, pas sur la caméra du mec. Parce que là, je suis sûr que si je regarde cette partie de vidéo, je suis sûr qu'elle est nickel. Bon, alors ça va être un petit peu plus sombre. Je suis désolé. Et j'ai l'impression d'avoir plus grave. Bon bah ok. Alors, en espérant bien faire, j'ai mal fait. Bon, alors... Le problème, là, actuellement, c'est que ma voiture est très loin. Bon. On va tout de même aller voir... Alors, attendez que je m'oriente bien. Normalement, c'est juste là. Dès que je croise un loup, je bifurque, mais... Là-bas, il y a quelque chose.
Petite Marie, si tu tiens cette note entre tes mains, c'est que tu as résolu toutes les énigmes. Mes félicitations. Et je crois que tu seras très contente d'apprendre que cela signifie qu'on peut rapporter les petits trésors là où je les ai pris chez Monsieur Roy. Tu crois trop au bon Dieu, dirait mon père, ton ami Martin. Quitte à s'enfoncer dans les bois, aussi bien avoir une arme de détresse sur soi. Au mieux, se dit Carl, elle éloignerait les bêtes. Au pire, il s'offrirait un petit feu d'artifice. Ok. Bon. Alors oui, en fait, comment? Document. Trésor. Parce que... Voilà, note de Martin, en fait, fallait que j'appuie sur lire. Voilà. On sait jamais. Non, ça a rien déclenché. Parce que c'est vrai que j'ai pas appuyé sur... J'ai pas appuyé sur R en ayant la carte. Bon, je récupère ma bagnole. La solution est ailleurs. Normalement sur la route je crains rien au niveau des loups. Oh hé hey. Oh. Mec qui passe en klaxonnant. Je sais pas si j'étais encore loin. Non, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des... J'ai eu un marteau. Et c'est con, j'ai vu des scies, j'ai vu des haches. Enfin, il me semble avoir vu des haches. C'est quoi ça? Bon. Alors, le truc... Alors, je suis sûr. Quasiment sûr, j'ai raté des choses parce que je n'ai que la carte 7, 9 et 10. Donc j'ai passé des choses. Et je pense savoir par où il faut commencer. La chambre de la petite. Alors, je suis sûr qu'ici... Il y a la première énigme. Attendez, excusez-moi. Moi, je suis en train de me battre avec ma fenêtre. Il y a un vacarme dehors, c'est pas possible, donc voilà. Donc ici, on avait vu, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ici, alors, on va s'accroupir un petit peu. Un bingo. Je suis sûr que la première carte au trésor est ici. Quoique non, parce que c'est Martin qui a fait ces trucs-là.
Donc. Il y a un miroir là, on peut se voir? Non. Tant pis. Il y a les Dreamcatchers. Le capteur de rêve venait des légendes amérindiennes. Il servait à emprisonner les cauchemars des dormeurs. Ouais, enfin, c'est connu ça. Enfin, c'est surtout connu grâce à un film. Qui vaut pas réellement le coup pour le coup, mais qui s'appelle Dreamcatcher justement, et qui est une adaptation du roman de Stephen King. Alors c'est le seul film qui est un petit peu raté. Qui a dit que les girafes ne vivaient pas au pôle Nord? La mode des jouets est très étonnante. C'est un poème là-bas, ça a l'air d'être le Je vous salue Marie. Bon, écoutez, j'ai... Donc je n'ai rien ici. Par contre... Il y a un endroit que j'aimerais revisiter. Donc on va y aller à pied. Enfin, on va pas y aller à pied, on va y aller en voiture. Ça, je vais la reprendre. On va aller explorer un peu plus en détail le cabanon que j'ai trouvé dans le camp là-bas. Là. Voilà, on va se garer là. Non, c'est pas ce que je voulais sortir. On va étudier un petit peu plus en détail ce cabanon. Ah, sauf que je l'ai raté, je suis parti trop loin. Ici.
Donc ça c'est la maison Roy. J'ai eu peur du truc là, j'ai cru que c'était un loup. Bon. Peut-être mine de rien, c'est ça le truc le plus dangereux ici, c'est les loups. Je vois des trucs qui sont... Y a pas un truc ici? Je les contrôle. Heureusement que je les ai vus parce que... Il y a eu un bruitoir, j'ai cru que c'était n'importe quoi, j'ai cru que c'était les loups qui... Alors, il y a ce lac, je l'ai. J'ai une bûche sur moi ou pas? Si j'ai une bûche... Non, j'ai pas de bûche. Est-ce qu'il y en a une à côté là? Non. Par contre, il y a des bières, je vais en prendre une. Si, il y a des bûches là. Je prends une bûche. Et allumer ce feu. Des allumettes ici. Voilà. Et au moins, je sais qu'ici, je risque pas grand-chose parce que les loups ne s'approchent pas du feu. Là, il y a une hache. Ah. Une hache. C'était toujours ça de gagner. Karl croyait avoir besoin de protection. Ah, mais je confirme, hein. Il a besoin de protection. J'ai toujours une bûche chez moi. J'en ai dans ma bagnole, mais... Tout à fait. Donc avec la hache, je vais peut-être pouvoir... bon, ça va prendre des plombs, mais... Cadenas. Les clés, tout ça, non. Alors attendez, je vais m'accroupir. Il n'y a rien en dessous qui pourrait m'intéresser. Non, visiblement non. Ok, donc j'ai trouvé une hache. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir dérouiller l'arbre qui bloque la route. Non, je vais longer la montagne. Enfin la montagne. Le monticule de cailloux là. Et là, normalement, ma voiture se trouve juste là. Nickel. Qui arrive à me repérer. Et donc là, avec la hache, on va essayer d'aller défoncer l'arbre qui nous posait problème. Parce que le problème, c'est que je peux passer à pied, mais je ne veux pas passer sans la voiture. Parce que c'est quand même un espace de stockage, c'est pratique. Et apparemment, l'espace de stockage est quasiment illimité. Parce que je n'ai pas vu de slot, de système comme ça, ni de système de poids à la voiture. Ok, donc c'est bon, je m'approche du magasin. J'espère que c'est ça, hein. Parce que là, honnêtement, je pense que j'ai tout fouillé, quoi. Wow! Doucement.
j'ai un... Est-ce que j'ai un moyen d'interaction ou... Visiblement non. Équipement. Ah non, c'est moi qui ai marché. Ok, d'accord. Non, bon, si j'attaque par la base. Que dalle, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à pied? Ça peut être possible. À pied, ça peut être possible. Je dois bien avoir un moyen de dégager cet arbre. Oh, attendez. Putain, je suis trop con. Ok, je suis trop con. Le transformateur avait grillé. Les fils étaient cramés. Carl n'avait plus qu'à attendre un électricien qui viendrait en même temps que la fée Clochette et un troupeau de licornes. J'aime bien l'humour. Putain, il y a une route sur le côté et je l'ai pas vue. Je suis en train de galérer depuis... Puis hier, hein, clairement, là-dessus. Alors attendez, par contre, on va en profiter. Parce que j'ai un petit souci. Alors, est-ce que je l'avais stocké, résultat, ou pas? Donc, j'avais pu remplir qu'un seul bidon. Donc l'autre vide, je l'ai sur moi. Ouais, j'ai pu faire que deux pleins. En fait, j'ai sur les deux bidons, vous savez que j'ai récupéré, j'ai pu en remplir qu'un seul. L'autre est vide. Enfin, soit. Par contre, je vois... Ouais, dans ma voiture, je me réchauffe pas. Ça peut être problématique. J'aurais dû me réchauffer. Alors, allons-y. Alors, question, à droite ou à gauche? À pied. Ah, hé hey. On va aller à gauche, il y a l'air d'y avoir une petite infirmerie où je pourrais panser mes blessures. Ouais, je vais faire les... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Non, parce que je voulais... D'accord, je peux pas zoomer. Vous voyez, à gauche, sur le chemin, il y a 4 maisons au total. Et à droite, après, il y a 2 hôtels et une maison un peu plus loin. Je vais faire les 4 maisons qui sont là-bas. Je vais faire le tour du lac, en fait. Donc je vais passer le cours d'eau et voir les 4 maisons qu'il y a de l'autre côté du cours d'eau. On va faire ça comme ça. Allez, range ça. Putain, je suis vraiment désolé hein, de ne pas l'avoir vu. Vache, la confiance règne. Hein. Ok, on va commencer par la femme d'hôpital. Ok. Dommage ces temps de chargement là.
j'ai une bûche sur moi. Clinique du docteur... Ah oui, Beaupré, c'est vrai que il y avait ce fameux docteur. Oui, ok, oui, c'est une simple clinique. Il devrait exister une loi pour interdire au docteur d'être malade. Parti pour une... ouais, on va appeler ça. Parti pour une urgence en ville, le docteur là-bas est malade, je reviendrai sous peu ou jamais, s'il meurt, je prendrai sa place. Oh, ok, sympa le docteur. C'est vrai qu'il... Est-ce que j'ai compris, ce docteur est... Carl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Une porte verrouillée en campagne, c'est peu contraignant. Carl savait qu'on cachait toujours une clé quelque part. Alors. Ça va être plein. J'aurais juré qu'elle était là-dedans. Non, une boîte de conserve à côté, non. Ok, j'ai Carl qui me fait des signes que qu'il est en train de geler. Ok, du duct tape, enfin du scotch. Ok, je suis vraiment en train de geler là. Je sèche. Dans la boîte aux lettres, pas mal. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin. Au premier coup d'œil, ça pouvait être aussi bien un atelier de couture. Ok. Oh. Alors je me réchauffe un peu, vraiment près du feu, le temps de... Le temps de remonter ma température corporelle, parce que là, je crois que... C'est vrai que pour un cabinet, pas terrible. Oula. Quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang. Carl songea à un accident dans la forêt. Une main de bûcheron taillée à l'acier, ou une chasse à l'orignal qui tourne mal. Dans tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. Ok. Il y a une fiche. Alors, il y a également un journal. On pourrait le lire, mais on le lira un peu plus tard. Je n'ai jamais pu bien entendre son nom. Les hommes l'appelaient Laure. Elle était blessée à la gorge. Beaucoup de sang. La balle avait fait pas mal de dégâts. Je crois même que le cervelet était atteint. Vache. Aucun espoir. Arrêt cardio-respiratoire. Les hommes l'ont retrouvé comme ça. Ils disaient sans doute. Ils disent. Ah d'accord. Les hommes l'ont trouvé comme ça. Ils disent. J'en doute. Mais dans les petits villages, vaut mieux parfois fermer les yeux. On insiste pour que je ne me mêle pas d'acheminer le certificat de décès. Cette histoire me dégoûte. Rosarmand, médicalement, rien n'explique que le père Rosser soit encore en vie. Comme on dit dans le métier, pour le guérir, celui-là, faudrait le tuer. Pourquoi il a quel âge? Il n'y a pas son âge d'indiquer?
1m78. Ah, né. Né en 1898. Hein? Ah oui! 1898! Ah oui, vu qu'on est dans les années 60-70, eh ben il a 70 ans, à peu près. On ne sait pas à quelle époque on est précisément. C'est ça le problème. Mais on sait qu'on est dans les années 60-70. 1940. Donc ça, c'est une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Pénicilline. Allergie à la pénicilline. Putain, ça doit être malheureuse. Tous les symptômes s'expliquent par la même cause. Elle est enceinte. Ah, c'est Mademoiselle Bédard. Elle est enceinte. Elle le refuse et le nie. Je parierai que l'enfant n'est pas de son mari. Il reste à espérer qu'il ne soit pas d'Everett Lockhart. Elle aurait alors un enfant illégitime et une syphilis sur les bras. Oh la vache, c'est méchant. Ah là là, bon. Cela ne faisait pas de doute. Le docteur et Hamilton se connaissaient bien. Ah. Hautain, ça ne se guérit pas. C'est vrai. Douleur chronique au pied, il ne peut pas marcher sur de longues distances. Riche, un jour je l'en guérirai. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et beaucoup d'humour ce docteur. Ok, on a fait le tour. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant. Mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Le bon docteur avec sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Karl reconnaissait cette femme, ce regard mélancolique. La voiture qui l'avait frappée en trombe à l'entrée du village, c'était donc le docteur Beaupré. Le docteur Beaupré est une femme? Ah bon, on en apprend. De manifeste communiste. Il y a peu d'années de cela, ce type d'allégeance pouvait valoir la prison. Et encore, à l'époque, les pays de l'Occident libre montraient les dents contre l'ennemi soviétique. Pourquoi donc le docteur possédait un tel livre? Donc la guerre froide... Il n'était pas un riche patient pour faire la révolution. Cette histoire ne tenait pas debout. Il fallait creuser, fouiller, comprendre. C'était justement la spécialité de Karl Faubert. Donc la guerre froide est terminée, donc on est après 1969. Donc on est dans les années 70. Eh, les taux se resserrent sur la période où on est. Est-ce que la guerre froide a pris fin en 69 après que Neil Armstrong ait posé le pied sur la Lune, hein? C'est là que les États-Unis ont prouvé leur suprématie face aux États-Unis. Et que le bloc soviétique a vraiment commencé à se disloquer. C'était vraiment l'événement qui avait marqué le monde et donc qui a en partie commencé au déclin de la Russie. Donc ouais, fin 69, c'est la date, il me semble. C'est terminé quand la guerre froide? Et la date exacte officielle. Guerre froide. Bang WFR. Zut, il a pas mis les espaces, ce con. Excusez-moi, hop, voilà. DuckDuckGo, tu me recherches ça. On va lire en même temps, hein. Alors, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours... Attendez, alors, hop. Donc, la guerre froide a commencé en... Hein? En 1991. Ça s'est arrêté en 91.
Dislocation de l'URSS en décembre 1991. Merde. Et en fait, je suis né pendant la guerre froide, moi. Je suis né en mars 91, c'est pour ça. Chute du régime communiste en 1989, ça, il me semble que c'était la chute du mur de Berlin. Hein, le 89, c'est ça, c'est la chute du mur de Berlin. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Ok, donc non, hein, donc on n'a pas plus de précision. Par contre, on sait qu'au Québec, la guerre froide était moins présente. Donc on doit être dans la fin des années 60 dans tous les cas. Chronologie globale. On se renseigne, on se documente. Et ce jeu est fait pour ça. Hein. Ce jeu est fait pour apprendre des choses. Hein, clairement. Aussi bien sur l'histoire du background que ben là, voilà, il y a des sujets qui sont révélés. Et voilà. Alors. Donc c'est ça, donc en 61 il y avait encore le face-à-face nucléaire. Et là il y a, alors à partir de 63 c'était détente et effritement des blocs. Et c'est entre 63 et 73, putain on reste dans la même période qu'avec le pape. Ah merde, non, bon on est toujours entre les années 60 et 70. Bon. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte des classes. L'homme libre et esclave, praticien et plébien, baron et serf, maître et jurade, maître de jurande et compagnon, bref, oppresseur et opprimé. En opposition constante, on mène une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une lutte qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la disparition des deux classes en lutte. Dans les premières périodes historiques, nous constatons presque partout une structuration achevée de la société en corps sociaux distincts. Une hiérarchie extrêmement diversifiée et des conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des praticiens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves, au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs, et de plus, dans presque chacune de ces classes, une nouvelle hiérarchie particulière. Je peux pas changer de page. Donc c'est la seule page qui est inscrite. Ok. Le diplôme. Il avait fait ses classes loin d'ici, le docteur Beaupré. Il devait même avoir été parmi les premiers étudiants du nouveau campus à s'établir à flanc de montagne. Conservé dans un endroit frais et sec, dit-on. Ok, j'ai une trousse à pharmacie, ça vaut le coup. Un coup de nuit. Par chance, l'enquête de Karl l'obligeait pas à fouiller là-dedans. Ouais. Ok, il y a des chaussettes. T'as un pot de nuit, mais bordel. On reconnaissait les blessés à cette époque par les grandes taches de rouge, ce petit nom familier du merbromine. Ça maculait les blessures. Oh, c'est l'ancêtre du mercurochrome. Génial, ça. Alors, hop. J'ouvre tout. Oh, Isabelle Beaupré. D'accord. Donc, non, le professeur Beaupré. Donc, la femme qu'on avait, c'était Isabelle. Donc la femme sur la photo, c'est Isabelle, et donc le docteur Beaupré est bien un homme.
fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Il y avait des aimants partout et tu m'as pas proposé de les prendre. Oh, c'est pas possible. Bon, j'ai pas de bouteille vide. Karl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Ouais, enfin ça c'est une seringue d'anesthésiante, hein, d'anesthésiant. Hein, je... Une fois anesthésié, le scalpel tu le sens plus. Bon. Le docteur a la passion de l'histoire. Il est un grain de sable dans l'univers, nous dit ce globe. Ok. Ok, ok. Et j'ai regardé là-dedans. Ouais. Ok. Bon, on en sait un peu plus sur le docteur Bolloré. Et on a vu deux, trois petits trucs historiques. Je peux pas ouvrir la mallette là? Non. Ça, tu vois, c'est idiot, on aurait pu. Mon pire cauchemar. Oh, t'es pas une femme. C'est le pire cauchemar des femmes, ça. Pour les hommes, nous, on se... Oh. Pour les éborgnés, autant que pour les autres problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Bon. Mais j'ai toujours, de toute façon, ma... Oui, de toute façon, j'ai toujours mon aimant avec le fil. Donc, c'est pas un problème. J'ai regardé là-dedans. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, il y avait le mercurochrome en dessous. Wok. Beaucoup de bouquins là-bas. Des légumes. Ouh, ça, j'ai un petit coup de lag. Bon. Donc, c'est ici qu'est la dernière demeure d'Isabelle Bolloré. Beaupré, pardon. Pourquoi Bolloré? Il n'y a pas de Bolloré dans le jeu. Hop. La peau de chambre et le truc. Ok, on a fait le tour. Bon, il y avait des trucs intéressants là-dedans. Et je sais qu'il y a du fil si jamais j'ai besoin d'un aimant. Je remets en place ça. Je fais un tour rapide. Je fais un tour rapide des environs. Une lanterne. Oh, ça c'est cool. Et il m'autorise à la prendre. Alors ça... Dans les environs proches, hein. Visiblement il n'y a rien. Bon, réchauffer le peu qui me manque. C'est bon. Et taillot. Karl connaissait maintenant le docteur Beaupré. Ses affaires et son décor lui avaient parlé. Mais ce que Karl avait entendu l'inquiétait. Ok. La prochaine maison, c'est à droite. En tout cas, je trouve ce jeu super passionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi je suis... Wow, ce jeu franchement, il est très immersif. La qualité au sonore est là.
clairement. Je vais voir si j'étais au bon endroit. Ouais, je suis au bon endroit. La qualité sonore est là, la qualité graphique. Alors, c'est dommage. Ce blizzard casse tout. C'est con. Qu'il y ait un coup de blizzard de temps en temps, ça aurait eu son charme. Je dis pas le contraire. Mais là, c'est constant. Et les mecs, ils se sont pas barrés à cause de la tempête. Ils se sont barrés parce que... Enfin, de la tempête. Ils se sont barrés parce que... Ok. Ça vérifie les toits, enfin... Ok, c'est le père Rosser, ça. C'est quoi ça? Des allumettes? Allume-feu. Pourquoi vous jetez vos allumes-feu, les mecs? Bon. Oh! C'est un poste d'observation pour la chasse? Non? En tout cas, wow, quand... Une fois que la tempête est levée, on doit avoir une sacrée vue ici. Oh putain! Oh mon bonhomme! Eh? Il m'a touché ou... Il m'a pas touché. Je t'entends. Je m'attendais pas à ce qu'un étranger retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt et puis bang 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 si ça s'approche. Tu m'as fait flipper, mec, et... T'es pas bien, hein? Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme les gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Oh mon Dieu, il parle québécois. Oh non, mon Dieu. Bon... Changer le caribou. Il veut quoi? Oyez, 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 il y a un petit gars d'écarté dans ma maison. Ok. Donc apparemment, il lui faut de l'alcool. Enfin, il veut de l'alcool. Oh. Eh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il m'avait touché. Ok, donc il y a quelqu'un et... Je me dis que ce serait pas forcément une bonne idée de fouiller chez lui. Bon, en tout cas, on peut avoir des vêtements en caribou pour avoir moins de... Et il m'a fait stresser. Donc, ok. Donc, enfin, quand...